Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans The Darkest Dungeon. On va continuer le tuto qu'on a fait l'autre fois. Cette fois-ci, ce sera pas un tuto, ce sera simplement du gameplay sur ce jeu qui est un roguelike, je vous le rappelle. Alors, j'ai quand même un petit peu avancé, même si j'ai beaucoup de bas niveau. Je pense que je commence à avoir 2-3 mécaniques rapidement. On est à la 23e semaine dans le hameau, dans le petit village en dessous de The Darkest Dungeon. Qui est au-dessus là, vous voyez pas ma souris en plus. C'est dans le premier épisode, ça a posé quelques soucis. Alors, vers une run, nous allons nous diriger, mais avec quelle équipe? Est-ce que je ferais pas une équipe comme ça, avec les deux petites dames là? On va y aller. Alors, je vous ai parlé la dernière fois des slots d'accessoires. Ici, vous avez deux slots d'accessoires pour chacun des personnages. Ici. Et on peut les équiper pardon. Ici, ils sont spécifiques à cette classe de personnage. Mais il y en a d'autres, par exemple. Ici, c'est tout ce que j'ai. Ici, c'est seulement pour les Vestales. Commun à tous les persos, commun, commun. Voilà. Simplement, c'est assez classique, hein. Alors, on a de l'argent. Pardon. On a une équipe qui est en train de se faire soigner. On s'est un peu fait défoncer la dernière fois. Est-ce qu'on va recruter quelqu'un? Je pense qu'il n'y a pas besoin des classes qu'il me propose. J'aime bien le petit bouffon, mais je pense pas que je vais en prendre un deuxième. Non, je vais pas faire ça. Par contre, les clercs, ça j'en ai besoin. Alors on va partir comme ça. Je vais juste améliorer mes personnages. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Hop là, à la forge aussi. J'ai de l'argent, je vois pas vraiment si je perds de la thune ou pas là. On va partir avec ces 4 sur une petite run rapide, je pense. Ça nous fera un petit épisode sympa. On va essayer de garder un peu d'argent au maximum. D'infliger un empoisonnement. Bon, bandit seulement, ça sert à rien du coup. Ce bandit, il a qu'un seul skill, je crois qu'il fait du saignement. Sur les sorts, on est bon. Elle aussi, ouais. Elle. On va lui augmenter ses heals. Il joue au jugement et lui, il a ses sorts d'augmenter aussi. Ça passe de 15% à 18%. On va partir. On y va direct. On perd pas plus de temps. Faut que je farme de ça un peu. Impeccable, on va prendre celui-là. Hop, une petite run facile. Alors, là, faut voir entre les deux qui passe devant. C'est lui qui passe devant. Hop là. En avant! Alors on va faire une run cette fois sans torche. Alors pourquoi pas de torche? Tout simplement parce que si on n'a pas de torche, on a plus de loot. Et ça m'intéresse plutôt. On essaie de pas dépenser trop d'argent. Ça j'utilise jamais de toute façon. On essaie de dépenser pas trop d'argent en provision. Je prends 3 pelles, on sait jamais, parce que si je bouffe vraiment beaucoup trop de stress, casse-couille quoi. Mais sinon on est bon là. C'est parti. Petite run. C'est parti. On regarde la tête du donjon. Ah, c'est un peu chiant quand même. Ouais, il est vraiment chiant. Parce que je vais devoir faire cette aile et ensuite revenir. L'aile de droite, puis ensuite revenir. C'est pas très grave. Malheureusement, on va être bien obligé. Bon, je sais pas où aller. Je bouge la star. C'est juste un arbre. On va pas se faire chier, je pense. Je pense qu'on va plutôt rouler sur ce donjon. Essayer d'aller assez vite. Ah, une petite reconnaissance. Ah, il y a un combat avec une salle au trésor. Et en troisième position, une utilisation de pelle. Ici, là. Voilà, il y a une pelle. Hop là. Bon, de toute façon, on est obligé d'observer, d'explorer toutes les salles. Donc on est obligé d'aller vers la droite. Allez, ça nous fait un combat. En avant. Double empoisonnement. Putain, double résistance. Alors, résistance au poison 75%. J'aurais dû regarder. Oh, mais les 4, bon, ça sert à rien. Allez, touche! Ouais, c'est bon ça. Ah, j'ai un peu une. Si vous voulez, un peu un truc de bourrin quoi. Parce que j'ai les deux là qui font que du multi-cible et en fait j'envoie comme ça quand on report. Ah, elle a 2 à 5 de dégâts. C'est bizarre quoi. Faut que je regarde pourquoi. Faut que je me penche plus sur ce genre de choses. C'est ça, hein. Moins de 10% de dégâts. Vous voyez, vraiment, le truc c'est dégueulasse quoi.
J'ai des persos qui sont complètement cassés par leur truc négatif. Putain, pas le cher déjà. Il y a un petit heal de masse. Lui, il va essayer de se soigner, mais lui, il soigne que le poison, je crois, le médecin. Il pourra pas s'enlever ses 4 dégâts par tour. Oh là là, il peut qu'on prend un petit peu cher sur un combat aussi, aussi naze. Il n'avait pas de confiance. Surges as the enemy crumbles. Je vais tuer celui. Je vais tuer celui de devant. Allez hop. C'est bon, on meurt par le poison. Ok. Ça sert à rien de guérir les troubles et les maladies. C'est piégé. Là, ils sont tous empoisonnés. C'est bon. Ils ont pas pris beaucoup de stress, mais ça nous fait perdre pas mal de PV ces conneries. On va voir comment ça évolue. Tirer. Ouais, ça m'aurait pas trop dérangé. On va dire. Parce que les trublions là, ils peuvent attaquer à n'importe quelle position. C'est plutôt efficace. Alors. Vas-y. Je vérifie qu'elle a toujours ses dégâts, Moi je vais la boost. Pour essayer avec les deux AOE de finir le combat en fait. Allez, hop là! Un peu de la merde. C'était un peu de la merde. Je vais healer le médecin. Là, ça va passer, je pense. Allez. Impeccable. Voilà. Parfait. Pour l'instant, on est toujours bien en stress. Pour plus 2 de vitesse. Ça servirait à qui ça? Je regarde un peu les accuracy. Bon, on va pas le toucher, on va pas l'utiliser. On va rester soft. Faire une petite run tranquille, sans lumière. Donc vous voyez, comme lumière, moins on a de lumière, plus on a de butin et des chances de critique. Donc c'est à double tranchant. On a plus de stress, on a plus de chances d'être surpris, mais on fait plus mal. Alors j'ai pris quand même pas mal de nourriture, au cas où si je devais me balader, récupérer des PV. Ce genre de choses. Un coup, petite torche. Une clé dedans? Ah, ça je savais pas qu'on pouvait avoir d'autres objets. Ah, juste j'observe. Ah, j'ai un petit combat sur le retour, vous voyez. C'est un peu chiant les combats ici si c'est les spongieux là. Bref. Ça. Est-ce que j'ai pu saigner mon expert soit là? Non. Bon. Ah, bien joué. Très bien joué ça, on essaie de focus hein. Comme des gros porcs. Ça c'est chaud. Ok ça. Ok ça va. Heal de groupe. Pour annuler un peu les dégâts qu'il vient de faire. On va continuer de focus. Alors elle fait 0 dégâts par rapport à l'autre. C'est abusé ça. Est-ce que c'est juste sur son tétanos? Faut que je vois si. 15% plus 4 de vitesse. Résolu. Ça c'est rien ça. C'est pas grave. Elle a plutôt de bonnes stats elle. Au niveau de ses spécificités et tout, elle a pas pris trop cher pour l'instant. Hop là, on a le médecin qui commence à faire des bons dégâts. Un personnage qui au début, moi je trouve que c'est un peu de la merde. Mais il commence à sortir un peu les griffes avec son bec de corbac. Allez, bien joué. Un dernier petit coup peut-être. Ce serait pas moi qui ai l'avantage sur lui en initiative là. Boum! Le crit. Il y a des bonnes stats aussi. Ça se passe pas mal. Quoi qu'on n'est pas au bout de nos peines, hein. C'est encore assez long. Pour un donjon très court, on s'est un peu fait enfler sur la disposition des salles. Je regarde, bof. Je vais claquer mes torches, je pense. Pour pas qu'ils mangent du stress en fait, juste en marchant, quoi. Ça n'a même pas augmenté. Bon. On va avancer tranquille. Vous voyez, ils commencent à manger du stress juste alors qu'on se déplace quoi. Bon, voilà, malheureusement les salles sont vides hein. Mais là on est bien, vraiment on est très bien sur le stress pour une run qu'on pourrait qualifier de poubelle un peu juste pour farmer de l'argent, on est plutôt pas mal. Faut essayer de se... Pour l'instant j'ai pas d'équipe d'élite plus ou moins. J'en avais une mais elle est morte sur un boss. Le boss, comment elle s'appelle, la harpie, la sorcière avec son chaudron là. Je pense que si vous jouez vous savez de qui je parle. On essaiera de se la faire dans quelques épisodes, mais pour l'instant, je pense pas que je sois
Oh, quoi. Les ectoplasmes, pour l'instant, je les ai jamais vus faire grand chose d'affolant. On a des bons jets de dégâts, hein, franchement. C'est assez surprenant, hein, cette compo. Enfin, les compos comme ça, là, avec double trublion et tout, j'ai essayé parce que c'est ce qu'il y avait de disponible. Je vais pas prendre la carcasse, hein, j'ai pas envie de me faire niquer. Comme d'hab. Ça, par contre, je sais comment on fait. La carcasse, je me fais toujours avoir, jamais eu des trucs, des bonus dedans, alors je touche pas, quoi. Je sais qu'on peut récupérer de la bouffe, mais je sais pas avec quelle provision il faut l'attaquer, en fait. Bon, ça va, no problème. On va bourriner. Alors, normalement, j'aime bien utiliser ce perso. Je pense que je devrais utiliser celui-là qui a des bonus de merde pour faire ça, en fait. Donc, il va se faire affaiblir. Bon, 20% de dégâts. Pendant, il va stun toujours les deux personnes en première position. Mais là, il se trouve que le gros, il prend les deux premières positions, donc c'est pas assez rentable. Et là, il te balance des critiques de malade, franchement. On est bien tombé pour l'instant sur les jets dans ce donjon. Ça se passe bien, bien, bien. Ah, dommage. Le Vestal aussi fait pas mal de dégâts. Ouf, il recule. Non, il recule pas. Petit tir de couverture, normalement, ça se passe bien. Ouais, pour l'instant, ils font pas très mal les tirs de couverture. Hop, on chope le mec derrière, non. Esquive. Dommage, ça devrait se régler au prochain tour. Il fait des bons dégâts, hein, au final. Ouais, il fait des empoisonnements de 2 là. On n'a pas vu 4 et 4, c'est pas ouf ça. Ça fait vraiment pas mal, hein. Faut que je regarde, c'est quoi quand même. Moins 10% à cause d'autre chose. Est-ce que ce serait que le tétanos là? Moi, je trouve qu'elle fait vraiment peu de dégâts par rapport à elles qui ont, elles ont le même niveau. Hein. Pas mal de loot. Bon, vous voyez, on a déjà fini. Franchement. Est-ce qu'on se ferait même pas une petite deuxième run dans cette vidéo? Deuxième vidéo sur The Darkest Dungeon sur la chaîne Friends and Games. Un jeu vraiment sympa. Ça se joue. Je sais même pas vu quel. Je sais pas si c'était du jeu, parce que vraiment, pas vu. Hop, on finit la quête. Vu qu'on est très bien sur le stress. Que ça ne me dérange pas de perdre de la vie, on va continuer. Allez, même je regarde ça. Bon, je vais prendre des... Je suis con, j'aurais dû utiliser ma pelle dessus en fait. Pour pouvoir. Je garde 2 de bouffe. Ah bah non, dommage. J'allais dire, je garde 2 de bouffe pour ce genre de. D'event. Et au final, bah, ma run qui. Je la pourris parce que j'ai claqué trop de bouffe, quoi. C'est vraiment trop con. Ouais. J'ai pourri ma run parce que j'ai mangé 3 de bouffe à la fin. Let them arrive on Harrod. Bon. Pas ouf, hein. Mais bon, ça XP un peu les trucs bien, c'est cool. Que des bonus impeccables. Et elle. Ah. C'est pas bien ça. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. On a 2 tueurs des humains. On va pouvoir les utiliser dans les ruines, je crois que ça s'appelle. Le donjon du milieu où il y a pas mal d'humains. Ah non, il y a des LRH. So well regarded. Ah, je me souviens plus bien. Alors, on va penser direct à aller soigner l'autre là qui sert à rien. Le tétanos là. Est-ce que je peux pas améliorer ce bâtiment? Si je peux améliorer ça. Ça coûte très très cher les. Voilà. Les traitements. Alors, normalement au stress on est bien. Donc on va pouvoir partir sur une bonne run. Lui il est niveau 2. Je vais aller augmenter cette équipe là. On y va, hein. On s'en fout. Moi je vais rester aggro. Plutôt agressif. Je vais les augmenter. Un peu à l'arrache quoi. Je sais pas pourquoi je les dépêche, je fais de la merde. Ok, lui. Ça je l'ai déjà augmenté. Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Ouais, c'est pas mal. Alors on va leur augmenter leurs armes aux 2 là. Impeccable, impeccable, je regarde mon argent, je fais un peu attention. Je passe au niveau 2 son arme, même si je l'utilise jamais. Et là on a une bonne petite équipe niveau 1, niveau 1,5 quoi. On regarde un petit coup, le croisé, ça peut nous servir, on a que 2 croisés. 12 sur 13, je vais me mettre un petit croisé de côté. Allez, un petit croisé niveau 1,0 de côté. Je peux augmenter ma garnison. 2 fois ça me sert à rien pour l'instant. J'ai regardé, je peux pas. Ça peut être pas mal, mais ça peut être encore mieux. Donc je vais plutôt attendre de choper un petit portrait. Hein. Et je regarde la forge, il me faut des scrolls. Bon. Bon.
Ah, j'ai plus d'argent là, de toute façon. Alors, je vais leur donner des trucs, genre L. On peut avoir ça lui donne 4 PV. Moins 4 de précision, mais les heals ça se rate pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème sur ça. Infliger un étourdissement, je lui ai pas donné la compétence, donc il n'y a pas de problème. Bertrand, lui, je lui avais tout mis là. 10% de dégâts, mais je pense pas que ça va bien vraiment lui servir. Je vais plutôt le mettre sur Vayne. Et un autre petit truc peut-être. Alors attendez. Oh mais c'est dégueulasse! Oh mon dieu, Vayne! Tu sers à rien! Oh là, j'ai mis ce clic deux fois. Est-ce que j'ai le deuxième? Oh, j'ai pas le deuxième cachot. Oh, j'ai pas ça! Oh mais tu pues! C'est ça là, le tétan, la syphilis! Bon bah, inutilisable. Moi je vais pas utiliser ça, je vais plutôt prendre Osmond. Ah, c'est celle qui fait des dégâts, je prends Osmond. Alors, ouais, ça nous fait une bonne équipe, assez homogène. On a vérifié, hein. Ah, on leur a pas donné les items, c'est ça ce que j'étais en train de faire. Donc lui il a de l'esquive, il perd de la précision. Lui il s'est mangé un lent à dégainer un peu violent. Sinon il est bon dans les ruines. Il est bon dans les ruines. C'est impeccable parce que. Oh, il est long. Est-ce qu'on se le fait? On se fait un petit donjon long? Allez, je pense qu'on va se faire ça. Parce que je pense qu'on a une équipe très solide. Je pense qu'on a une équipe très solide. Et je regarde. Ils ont tous des. Ah. On part sur une bonne run là. Il me semble qu'on peut partir sur quelque chose d'assez correct. Mon 4 de précision, j'ai peur de virer trop de précision en fait. Est-ce que toi je te mettrais pas à 10% de dommage? Ça va, tu es numéro 6. Moi je regarde. Ça lui augmente. Non, c'est trop violent. Ça fait trop mal là. En avant. Ok. 6000 de gold. Et il est long, c'est-à-dire qu'on a deux camps. Ah, j'ai regardé un dernier truc, c'est leur skill de campement. Faudrait que j'aille acheter ça. Je vais aller l'acheter. Il est niveau combien? Et tout ça, ouais. Il a que le lent à dégainer, sinon il a des bons bonus. Donc je pense qu'on peut lui investir de l'argent. Alors il est où? C'est ce skill qui est très correct. 10 de stress et soigne de 10% tous les mecs. On va enlever ça parce qu'ils sont jamais affligés en fait, souvent. Ensuite, j'ai dit qu'on partait avec Osmond. Qui a ça. C'est un peu de la merde. Au pire, on n'utilisera pas ces trucs. J'ai dit qu'on partait avec Bertrand. Réduit de 30. Tous les compagnons. Ça, c'est un peu de la merde aussi. Le reste, c'est pas ouf. J'ai dit qu'on partait avec Jifa. Hein. Je pense, ouais. Je pense qu'on va partir avec elle. Et elle a le champ. Elle a quoi d'autre? Ça peut être pas mal bénir. Mais là, je pense qu'après, on claque trop d'argent. Et j'en ai plus. Alors, Toussaint, Bertrand. Alors, j'ai dit que Vayne, c'était un gros cancéreux. Avec sa vieille syphilis. On part sur celui-là qui est long. Sinon, on peut partir sur celui-là, mais c'est moins marrant. En fait, le long me dérange pas vraiment s'il est bien agencé. Mais si on doit faire des allers-retours. Faut que je regarde le stress. Tout ça, il y a une vingtaine de stress. Bertrand et Jifa, ils en ont pas beaucoup. Je vais regarder. Elle est bien. Elle a quand même des putains de bonus, hein. Lui. Mais c'est quoi ces conneries? Ouais. Ouais. Et elle. Ouais. Donc il va falloir prendre des torches. En avant! On va prendre une bonne vingtaine de bouffe quand on a des longs trucs là. 4 pelles, 10 torches. Ouais. Ah, c'est pas dégueu ça. Est-ce qu'on prend du venin dans les ruines? Ou plus, ouais, allez. Embarquons! Là, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que ça va être chaud quand même. Ça va vraiment être chaud.
J'espère que vous amusez toujours autant. Regarde. Oh, il est dégueu. Oh. Je pars par là, je reviens. Je fais ça, je campe ici. Je fais ça, je campe là. Putain, c'est chaud. Putain, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Il y a combien de salles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et pour exploser 90% des salles, il faut que j'aille dans cette aile obligatoirement. On va commencer par là. J'aime pas bien beaucoup ça. Bon, un petit combat tranquille normalement. Alors, elle a les mauvais sorts. Elle. Ça peut aller. Ça va parce qu'elle est, il est là son sort. J'ai eu peur, je me suis fait peur. Ok. Bon. Aïe. Non, je fais pas trancher, moi je fais récolter. D'accord. Percer. Ok, pas mal. Est-ce qu'il a le scroll là? Le paladin là. Ouais. Il est là. Il prend déjà cher. Boum! Ok. Un dernier petit truc peut-être. Là je buff. Normalement c'est mes collègues qui tapent après donc. Bon, je vais le stun. On va essayer de faire du full. Du full buff. Attendez qu'il a 0% de machin au crit là. Non, je sais pas ce que je vais faire. C'est quoi? Ouais, c'est quoi? Bon, je sais qu'il va être étourdi tout le temps. Étourdi, pardon. Donc full buff. Au cas où pour le prochain combat j'aurai encore un buff, je pense. Esquive, je le finis avec le chevalier. Ou avec elle, pareil. Ok. Oh, je gagne un peu de nourriture. Alors. Ça, c'est bon, j'en ai pas besoin. Ça, j'ai pas d'autres skills à prendre. Ça, j'ai pas d'autres skills à prendre. Par contre, elle. Ce ski m'intéresse pas, je pense que c'est mieux. J'aimerais bien un petit combat tant qu'on est full buff. Pourquoi pas. Dommage. Maladie mortelle. J'aurais dû m'en douter. Elle a mangé quoi? Elle a rien mangé. Ça va. J'ai eu peur. Ah, combat. On a pas full buff là. On a encore le reste d'un cri. Ah putain, dommage. Il sert à rien. Oh, il sert à rien. Putain de merde. Au moment, on est rentré dans un donjon long. Et je pense que ça va être. Ça va être long, ça va être dur. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Toujours. Mais je pense que. Ouais. Je pense qu'on va pas s'en sortir indemne. Je pense qu'on va galérer. Je vais lui mettre la bastos de sa vie. Putain, bien sûr. Ah, il a des malus de dégâts, il faut que je vois pourquoi. J'aimerais bien voir pourquoi il te fait, s'il te plaît. 10% autre, c'est à cause de quoi? J'aime pas bien quand je suis en sait jamais là. Ils mangent tous moins 10%. C'est peut-être parce qu'il a pas le level. Ah si, pourtant il a le level. C'est pas mal pour l'instant, les adversaires ratent pas mal. Moi aussi, donc bon. Ça revient plutôt à la même chose. Je vais l'OS sur le finir. Comme ça c'est pas que du perdu. Putain. Non mais touche. C'est quoi elle? C'est quoi ton excuse? T'avais un mode de précision et tout en plus quoi. Enfin merci quoi. C'est la première attaque qui touche de la vie quoi. Là, tu peux la tirer. Alors, là mon souci c'est déjà je vais prendre beaucoup de PV, enfin je vais perdre beaucoup de PV en tout dans le donjon au fur et à mesure des salles. Mais surtout, je vais bouffer 100 de stress sur les 4, c'est obligé là. Franchement. Je vais finir à 100 de stress et ça va être chaud quoi. Combien de résistance à l'étourdissement? Là je buff en espérant que la Vestale puisse mettre un heal. Ouais. Pas mal. Et maintenant je le bourre. Eh ben c'est à lui dommage. Aïe. Putain. Mouais. Mouais mouais mouais. C'est pas foufou moi. Hop là. C'est bon. Qu'est-ce qu'on gagne? As victory's
So too will resistance. Toi, tu vas là. J'ai deux clés. Est-ce que j'en claque une? Un coffre oublié dans la liste. Bon, allez, je claque la clé. Ok, bien joué. Je pense que j'aurais dû mieux lire. Bon, c'est parti. J'ai dit que j'allais acheter des torches pour utiliser des torches. Et ici, on aura une clé à utiliser et un combat. Ça, on touche pas. Ok. C'est chaud parce que les armoires, il y a des personnages qui ont la fâcheuse tendance à les ouvrir en fait. Ils ont des traits de caractère pour ouvrir l'armoire et tu te passes devant en fait. Et ce gros mongol, il fait ah, tous les loots sont à moi et il ouvre la truc là et on meurt comme une grosse merde. Je vais prendre le jester pour le piège. T'as bien une tête à désamorcer, toi. Bien joué. On continue. Ça se passe. Pour l'instant, ça se passe. Le souci, c'est que c'est tous des Eldritch là ou des impies. Je regarde si le scroll ne fait pas des dégâts supplémentaires aux impies. Pas mal. C'est pas trop dégueu, mais j'ai pas d'autres. C'est bien que ce soit le trublion qui joue avant le chevalier. Comme ça, je peux faire ça. Et comme ça, le chevalier peut tuer les deux. Avec de la chance. Là, je vais faire un heal de groupe, même si le trublion ne mange rien. Ah, c'est pas le trublion, lui. C'est l'autre le trublion. Lui, c'est le bouffon. Super. Ça, c'est des noms de classe de ouf. Ok, pas mal. C'est à moi, s'il te plaît, non? Ah, la lame dans la nuit. Ok, pas mal, bien. Bien joué. Un petit heal. Un petit heal monocible, peut-être. Ouais, un petit monocible sur elle. Ouais, sur elle. Allez. Peut-être un petit crit. Ouais, descendre du stress, peut-être. Allez, le chevalier. Allez, allez. Ouais, génial. Bien joué, Maurice. Putain, tu sers à rien. Bon, ça me permet de heal. Donc au final, c'est pas dégueu. Ok. Allez. C'est bien. Et qu'est-ce que je loot? Pas mal. Donc, je vais claquer une ici. Okay. Ok, je peux tout ramasser. Il commence déjà à être un peu short. Est-ce que j'abandonne cette salle? J'y vais pas. C'est un piège et tout, j'ai pas envie de le prendre. Ouais. Oh putain, un combat sur le retour. Pour l'instant, j'ai pas trop de stress, à part la dame là, madame, qui a quasiment une cinquantaine. 45. Alors ça, faut les OS avant qu'elles attaquent. Ça, sinon, c'est infâme. Oh là là, bien joué ça. C'est du bon ça. Ça fait pas de dégâts. Donc c'est pas grave. Bien joué. Plutôt bien. Alors, le souci avec les donjons longs, c'est qu'on est short sur l'inventaire. Ça va être un peu tendu, je pense. Ouais, on continue. On essaie de se dépêcher, enfin un minimum et pas faire trop de bêtises. Ça va. On a énormément de bouffe. Donc pour l'instant on n'est pas dégueu à part la meuf qui a un peu de stress. Mais au premier campement ça peut se gérer. Avant de camper, on fera gaffe aux skills qu'ils ont et on va essayer de prévoir un petit peu le plan qu'on peut faire. Je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de trucs, pas mal de buffs, de réduction de stress quoi, classique. Voilà. Là on attaque la grosse partie. Ça on touche pas, c'est des trucs trop piégeux là, on se fait toujours avoir. Oh là déjà, n'importe quoi. On fait 2 mètres, on remange de la faim. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir par là, comme ça on peut balayer toutes les directions directes. Ça on passe. Une pelle, j'en ai. Alors un truc que j'espère, c'est quand même qu'on va se faire de l'argent, parce que pour l'instant il n'y a pas énormément de loot, à part les loot comme ça là. Les loot héritage. Mais bon j'en ai besoin, donc l'un dans l'autre. Il y a un piège des deux côtés. Là il y a un combat. Je vais partir par là. Je vais essayer d'esquiver le piège. C'est le troublion qui va ouvrir ça. Que descendre. Ah, et le troublion là. Oh putain, tu sers à rien. Furious is the trapmaker's art. His evidence by his own eyes. Est-ce que j'ai besoin de la salle d'en bas? Voilà, faut les ouvrir.
Boum. Tu bleed. Putain. Dommage. Alors les gobelets de la tentation, quoi. Les tarasses. Là, c'est un peu dur. Là, ça commence à stresser. Ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu, les gobelets de la tentation. Oui. Bravo, bien haut. Bravo, bravo. Bien joué. Ah, elle s'avère quand même fort utile en ce genre de choses. Autant que la mortalité. Ça peut aller parce que moins 50% de vie, c'est pas non plus tous les jours. Mais c'est pas le trait qu'on aurait aimé avoir. On va dire. Bon, là on fait la salle d'en bas pour être sûr d'avoir le. D'avoir la laquette. Hein. Aïe. Aïe, mais ça peut aller. Allez, boum. Dommage. Pas fantastique. Là on en a deux, on tape. Oh putain, il fait des bons dégâts lui. Hein. Ouais, lui avec ses. Il a eu des traits de caractère qui fait qu'il tabasse quand même pas mal. C'est pour ça que je lui avais donné pas mal d'items. Je crois que c'est ses traits de caractère, hein, qui tape pas dégueu. On ira voir ça après, on aura le temps. Ça fait signe ou pas? Non. C'est bon. Aïe 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 aïe. Ok. Putain, c'est trop de la pression ce jeu. C'est trop la pression. Putain, mais vous êtes nuls! Ok. Putain, ils sont nuls à chier. Ils sont vraiment nuls à chier. Impec. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Faut pas dire pour l'instant ça va. Alors, on va regarder lui parce que. Bah, ça, c'est bien, mais ici je l'utilise pas. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas mal. Donc, il y a quand même des pourcentages d'attaque en plus. Ce qui fait qu'il est pas dégueulasse. Là, je commence à avoir plus énormément de torches. Donc, attention. Allez, rebelote. On fait le chemin inverse. Il va falloir commencer à faire le premier campement. Ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Je garde une petite torche pour la mettre avant le campement. Il me semble que plus c'est éclairé, je pense que moins on peut être. Moins on peut manger une embuscade. Est-ce que j'ai des herbes? J'ai pas d'herbes. En avant. J'ai fait une salle en plus. Alors, un petit combat peut-être pas. Une pelle. Hop, j'utilise la pelle. On est bien là. Tant qu'on a des pelles. Pratique les pelles. Ah, ça aurait été une belle salle de combat ça. En avant. Un petit camp. On prend lequel? On prend le petit, je pense. Hein. On prend le petit pour avoir plus si au cas où on prend cher plus tard. Ouais. Pas mal ça. Ouais. On va prendre ça. Ça aussi. On est bien. On est pas mal, mais on a plus beaucoup de points, je pense. Un petit buff peut-être. Ça sert à rien. C'est sur les cibles de plus de deux positions. Et là, je pense que je vais soigner celui-ci. Très bon buff, ça, au final. Alors, est-ce qu'on a trop fait un truc? Oui. Ça sert à rien ça. Après, il y a 16 de 20. Ah, ça me tente. Allez, je le fais tout simplement parce qu'en fait, l'aspect de l'issement il me gêne pas tant que ça. Parce que normalement, si là on se fait pas attaquer à la sortie du campement, elle va marcher assez pour que l'aspect de l'issement passe en fait. Du coup, normalement, il aura aucun effet. Il nous tombe dessus, dommage. Voilà, je dis des conneries. Petit combat. Ça va. Faudrait pas prendre trop cher. Il faudrait bien les défoncer. Sauf que, heureusement pour nous, c'est eux qui commencent. Gobelet de la tentation, le mange pas. Oh là 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 là. C'est infâme.
Infâme, meurt. Trou du cul. Mon 10 de précision, ça me fait chier, je vais augmenter la précision avec ça. Parce que faut pas qu'elle rate en fait. Sa triple attaque là, faut vraiment pas qu'elle la rate. Il perd des PV lui aussi, ouais. Moi je lui dis tout gros. Il récupère tous. Donc c'est plutôt correct. Ça faut pas qu'elle rate, vraiment. C'est pas mal. Pas mal. Parce qu'il fallait pas que je me mange un deuxième gobelet de la tentation, quoi. Je me casse le cul à descendre à 0 de stress, tout ça pour en récupérer. Je fais ça pour le self-heal. J'ai plus besoin de heal de base, de toute façon. Ça passe. Hop là! Allez, ça s'est passé. J'ai plus. Ouais. J'ai plus beaucoup de torches. Je fasse un peu gaffe. Donc là, vous voyez, dans le plan, là, je marchais. Je bouffe une pelle, je commence à en plus en avoir beaucoup. Et normalement, l'affaiblissement va partir. Je sais pas quand, mais il m'a l'air assez long celui-là. Hop. Donc là, on est juste passé par là pour découvrir la salle. Au final, notre quête est d'explorer 90% des salles. Putain, il est chiant cet affaiblissement là. Oh. On va pas oublier qu'il nous reste pas mal de bouffe, il me semble. Ouais, vraiment beaucoup de bouffe. Et j'ai un deuxième campement, donc même si là je suis déjà quasi à la fin et que je suis plutôt en bonne posture, je dirais. Je pense qu'on va quand même l'utiliser. Ça fait pas de mal. Alors la salle du million, on l'a pas découverte, donc on va avoir un combat. Ce serait bien d'enlever cet affaiblissement là. Oh là là, putain, ça. J'ai plus de pelle. Et vous savez, si vous avez regardé avant, que les pelles c'est chiant. Non, non, j'ai toujours un affaiblissement. Ça, c'est chiant. Ça, c'est vraiment pas ouf. Moins 10 de précision en fait, c'est ça qui fait mal. Si ce serait d'autres trucs. Oh putain. Je pensais qu'il pouvait faire ses attaques à cette position, mais non. Ok, ça touche, même ça fait pas des dégâts énormes. Ça touche aussi. Ça fait mal. Ça. Y'a pire, mais ça fait mal. Ça fait mal aussi. Ok. Boum. Je vais faire un self-heal sur la Vestale. La prochaine fois que ce sera elle de jouer, normalement c'est bientôt elle. Ouais. Et je vais taper celui-ci. Bon, ça fait pas énormément de dégâts. Hein. J'attendais un peu plus à 5, 6, 7 peut-être. Ok, génial. C'est encore elle est un peu vénère. On va faire un heal de groupe là. Il va remonter plus des PV. J'aime bien le heal de groupe, même s'il a l'air pas très efficace, étant donné que c'est 2 de heal. En termes de points de heal, on va dire théorique, si vous voulez. Il fait quand même plus 2 à chacun, donc au final ça fait plus 8 en tout, pour un tour. Et ce que le mono heal en fait donne pas quoi. Oh là là, bien joué le bon critique. Le bon critique. Alors, j'ai perdu mon cible avec elle pour être sûr de tomber cette cible. Je me sens un crit quand je pensais qu'elle allait pas me sortir le crit. Génial, super génial. On va réduire le stress. Vu qu'on aura plus besoin de buff de combat. C'est pas trop mal les petits champs du bouffon là. Ça rend plutôt pas mal utile. Précision, mon quête d'esquive. Alors là, je lui mets tout simplement parce que j'ai plus de place dans mon inventaire en fait. Donc il me sert un peu de sac. Ouais. On a beaucoup de trucs, je trouve. Cet affaiblissement là, il est. Ouais. En fait, c'est de la merde. Je pensais qu'il allait durer 2 salles et ça fait déjà 4 salles qu'on se déplace. Franchement, on est bien. Je pense que je vais faire le prochain combat. Donc là, s'il n'y a pas de combat, je vais recamper. Donc on a fini en fait. Là, on a fini une bonne run. C'est bien passé. Vraiment très bien passé même, parce que je vois ma quantité de stress et tout, et vraiment pas mal. Oh putain, j'ai encore oublié de replacer mon bouffon, fait chier. Mais bon, il y a moyen que ça se torche en un tour, donc ça aura pas de... Ouais, voilà, ça aura pas de problème en fait, ça posera pas de soucis. Allez, un petit peu de bouffon en plus. Oui, j'ai vraiment beaucoup de bouffe, hop. Je vais la soigner comme ça. Un combat, pas de combat. Je claque mes torches, je pose le camp.
On va se faire celui-là en tête. Celui-là. Le problème de celui-là, c'est qu'il est pas mal. Cependant, si j'ai le truc fin là, comme quoi j'ai pas assez marché, je suis un peu dans la merde. Je vais quand même le faire. Comme ça, ça me met fou quoi. Franchement, ça me met fou là. Je peux le faire sur moi-même, non. Non. Bon, ça sert à rien. Arrête, je peux plus utiliser tes trucs. C'est bon. Un compagnon plus 10 de précision. Hop. Tous les compagnons sur soi uniquement. Alors, je peux me réaffaiblir. Hein. J'ai compris l'embrouille. Ah merde. Ah ouais, putain. Ah non, c'est bon. On est bien. On est bien. Un petit 1, y'a personne qui a des trucs à 1, ça existe pas. Ok. Alors, comme vous voyez dans mon inventaire, pas énormément de gold. Une run qui aura pas fait beaucoup d'argent. Je pense qu'on est bientôt à la fin. Je sais pas s'il y aura des trucs très marquants avant la fin. Il nous tombe dessus encore, quoi. Putain, j'ai vraiment pas de chat. Oh, ça va. Ça va, ça va. Une petite AOE peut-être. Allez, au revoir, merci. Merci d'être passé. Et ouais, facile. Alors, tu passes devant. Ça nous réveille un peu en sursaut, mais ça se passe bien. Ah bah merci. Génial. Donc là, vraiment pas de stress. Plutôt content. Plutôt content. Là, c'est moi du stress pour rien. Je sais pas pourquoi. Mais... plutôt bien. Ah, ça buff. C'est pas mal. Alors, ça, moi, je l'utilise. Donc, c'est un truc. Moi, je l'utilise avec des héros qui sont. Qui sont religieux, parce que je me dis que ça a plus de chances de prendre des trucs bien. Mais c'est peut-être des conneries. Voilà. J'ai décidé d'attaquer pour réduire un tour d'attaque, et au final prendre potentiellement moins de dégâts. Je trouve ça plus efficace. Dommage, à un dégât il mourrait. Impec. Oh là là, le tour de ouf quoi. On a un groupe qui se défend bien. Ça se défend bien, pas de gobelet la tentation, en plus une petite esquive. Boum, la mort. Allez, dégage. Et oui. Ah, 1200 gold, c'est bon ça. Ah, voilà, deux trucs sains en fait. Et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, en prenant avec quelqu'un qui est religieux, il y a plus de chances de choper des trucs. Par exemple, il m'est déjà arrivé de tomber sur des trucs comme ça et de choper des buffs pour mon personnage de manière... voilà, pour tout le temps, quoi. Ok. De manière permanente. C'est ça. Ok. Ça se passe bien. Dommage. Ça se passait bien. Là, ça se passe bien. Impeccable. On a un bon groupe. Moi, je vous le dis. Est-ce que son arme, elle est améliorée à 2, celle-là à 3. Celle-là à 2, celle-là à 2. C'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Là, c'est bien. Ça fait un gros donjon, moi. Ouais. Ouais, je vais m'arrêter là. Vraiment, zéro stress, 2 de stress. La run parfaite. Je suis désolé. Pas beaucoup de gold. C'était 10 000 en tout. Mais bon, j'en ai claqué plus de 4 000 en ressources. Pour provisions, donc... Donc bon. Pas mal d'héritage. Ça, c'est bon, ça. Et voilà. Oula. 4 de gain d'XP, c'est un donjon long, donc forcément, plus d'XP. Curieux. Alors ça, je pense, il passe devant les bouquins, il va les ouvrir. Et vu que les bouquins, c'est tout le temps de la merde, et ben, c'est pas fou. C'est pas foufou, ça. Ok. Alors, ça nous fait 10 000. Et 10 000, c'est pas ouf. Bon, c'est bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. Que dalle de stress. Ça, c'est bon, ça. Toi, tu pues, Vayne. On avait dit que toi, tu... toi, tu puais vraiment la merde. C'est ça. C'est fini, disco. Oh, ça, j'ai même pas assez. Dommage. Alors, un truc qui utilise... ouais, c'est impeccable. On est bien. Ça change les bâtiments. Ils commencent à être un peu plus... non, joli, il me semble. Au fur et à mesure des améliorations.
que je fais ça? Non. Je ferais plutôt mieux d'attendre les autres trucs. Ça, j'utilise pas, j'ai pas besoin. Je regarde les buffs que je peux faire, ne vous inquiétez pas. Et ça, normalement, c'est plutôt pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal. Ça, j'utilise pas. Parce que, en fait, à chaque fois qu'ils se font taper, ils se cassent pendant une semaine. Alors, bon, au bout d'un moment, hein. Moi. Eh ben, dites-moi, c'était plutôt une bonne run. Plutôt pas mal. On va se quitter là. Je regarde les objets rares. Ok. Allez, on va se quitter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Friends Fun Games du jeu The Darkest Dungeon. On a fait deux runs. Une assez courte, une assez longue. Je pense qu'on s'est plutôt bien démerdé. Ça se passe bien, ça se passe bien. Allez, à bientôt sur une autre vidéo.